Waouh. C'est quoi ce jeu qui vient de se lancer derrière moi? Ce serait pas Valorant, hein? Le nouveau jeu de chez Riot? Eh ben, grosse exclusivité, on a appelé le campus de la Salty Academy, vous le saviez, il y avait quelque chose qui devait se faire normalement, et puis avec coronavirus, au final, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de jouer à l'alpha du jeu, donc on attend depuis pas mal de temps, franchement, sur le campus de la Salty Academy, parce qu'il y a un passif CSGO, il y a un petit peu un mix aussi avec du Rainbow Six, de l'Overwatch aussi sur la patte graphique. Donc ça a l'air bien sexy sur le papier, et puis bah on va passer directement du papier à l'action quoi, on va aller voir ça tout de suite. Allez mettre quelques têtes, faire quelques clutches, avec du bon monde, ils attendent. Alright, I'm gonna show you guys, I'm in Pro League. Bon, faut déjà que je fasse mes settings, out of charges, visiblement les settings sont pas bons. Walk, default movement 1, hein. Run, ok. Mais ils disent pas comment est-ce qu'on walk en fait. Walk left shift, ok. Ah ouais d'accord, ok. Donc là tu te définis quel est le... Est-ce que tu run tout le temps et de temps en temps tu walk, ou est-ce que tu walk et de temps en temps tu run? Donc on va mettre walk et on va mettre run derrière. Donc, plutôt runner en appuyant sur le bouton. Shift, jump space bar, ça me paraît normal. Crouch, normal. Bon ils ont vraiment fait des trucs assez standardisés. Toggle crouch off. Pour moi je préfère l'avoir en hold du coup. C'est très clair en tout cas, le menu il est vraiment cool. Et voilà, on peut faire son crosshair dans le jeu, donc ça c'est vraiment cool, honnêtement. Franchement, je vais mettre un green qui ressemble un petit peu à du CS, forcément, puisque le jeu est quand même très, très copié sur CS dans sa mécanique. Allez, on va close les settings pour le moment. Ça devrait se rapprocher de, voilà, bon, d'un truc pas trop mal, ok. Maintenant, je vais aller faire ma sensibilité et on devrait avoir un truc pas trop mal. Alors pour faire la sensibilité, c'est toujours pareil. Je prends un point très précis sur un mur. Je vais faire gauche à droite de mon tapis de souris. Et pour moi, il faut que ça fasse un 360, qui est ça. Et là, jusqu'au bout de mon tapis de souris, il faut que ça fasse un 380. Donc, il aurait fallu que ça s'arrête à peu près ici au lieu d'aller s'arrêter par là, quoi. Et on est très bien. Donc, il me demande de passer là. Il me demande de baisser là. Donc là, ça va commencer. Il va me demander de prendre un flingue. Voilà. C'est assez marrant, forcément. Ok, on récupère les armes. Alors ça ressemble vraiment à CS pour le coup. Oh ouais, ça c'est vraiment pas mal. Il vient de dire qu'on pouvait MD inside, donc ADS. Et on commence à envoyer des shots, forcément. Donc on run comme ça. Donc c'est un peu lent comme un CS. Walk slowly so it doesn't detect your footsteps. Nice job. Ouais, mais bon, il va prendre un pré shot en fait pour tout. Alors, press the BK to open the armory. Ok, donc en fait, B comme buy, hein, B comme acheter, et après on pourra acheter. Take this time to check your settings. Mm-hmm. Just your aim sensitivity. Review your keybinds. Alors, ce que ça donne un snipe pour le coup. Les flashs sont tellement forts. Alors, on va. Essayez ça. Donc là, vous entendiez tous les joueurs. Il y avait Momo, on entendait Skyheart, on entendait Gotaga aussi, je pense. Timer runs out. Ça va de plus en plus vite. C'est vraiment sympa. Alors la sensibilité, forcément, c'est vraiment difficile. Not bad. All right, track down that waypoint. Just qu'il fasse un. Bon, et là il explique. Le tuto est bien fait, honnêtement, sympathique et facile à prendre en main. Out of charges. Après, il y a les spécificités. Ouais, voilà. See what your bow does by shooting that wall. Revealing area. And there they are. Use your intel to take them out one by one. Up ahead is a device called Spike. Oh, c'est vraiment sympa. It's how the enemy steals our radionite. Attackers try to plant it at key sites, and defenders try to stop them. Practice taking the spike to the highlighted site. Donc ça c'est la bombe, le spike. Alors c'est un gameplay qui est très lent quand même. Faudrait que je réessaye le truc du coup. D'accord, ok. Wow. Bon, faudra comprendre comment ça marche exactement. Et donc là, on va mettre 4 pour planter. Alors visiblement, ça ne marche pas. Hold de 4, hold de 4, hold de 4, hold de mouse 4, mouse 4, mouse 4, 4, 4, 4. Il ne comprend pas le clavier français. Et là, ça va marcher. D'accord.
Donc ça c'est... Le spike. Yeah. Et les mecs vont arriver maintenant. Alors quand c'est comme ça... Ok. Va falloir que je gère l'ADS parce qu'il y a vraiment un problème pour le coup. Oh, je sais pas ce que ça donne ça. Ils viennent montrer... Bon ça c'est dans le tuto, ils veulent t'aider je pense. Your abilities to give you the advantage. Shoot your sonar bolt at the targets on the wall to reveal hidden enemies. OK. Ah d'accord, OK. Il faut que je refasse la même chose que tout à l'heure. All those kills charged up your ultimate ability. It fires straight through walls. Fry those bots from here. Excellent. You're good to go. You can always head back to the range to practice different guns and abilities. When you're ready, the front lines are waiting. Donc tu peux les avoir à travers. Bon, c'est pas mal. La petite intro est sympa, etc. Ils vont sûrement changer quelques trucs. Mais au final, c'est pas mal. C'est assez sympa. Bon, il y a quelques bugs, forcément, c'est encore l'alpha. Mais ça reste quand même... Le jeu est presque réalisable, quoi. Voilà, c'était juste la première présentation. Donc, la présentation du jeu. Regardez le menu pour la première fois, à quoi ça va ressembler. Très sympa, très sexy, très light. Donc ça, c'est vraiment une exclue qu'on a eue et grâce à Riot. Donc, merci infiniment, Riot, de nous avoir, d'avoir contacté la Salty Academy pour qu'on fasse des petits clutch, des trucs comme ça. A few moments later. One enemy remaining. Headshot. One enemy remaining. 30 seconds left.